Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Raphaël, on va pas se tromper. Non, Salut, salut tout le salut monde. Raph. Ça va bien se passer, je sens, on va bien. Ça va bien aller. Allez, et aujourd'hui on va faire un petit peu de travaux publics sur cette map. Hop, alors, et ben moi je vais vous montrer le petit chantier pendant que tu vas aller chercher le camion avec notre nouvelle excavatrice. Ok, pas de souci. Allez, hop, donc. C'est juste à côté, c'est pas très loin. Là, oula, déjà je me suis pris le poteau, je crois. Non, c'est bon. Hop. Allez, on a un petit chantier de lotissement qui est juste derrière bah, la sortie du village, derrière l'église. Hop. Donc on arrive là-dessus. Je vais peut-être pas me mettre trop près pour que tu puisses te garer. Ouais, je vais te garer là, y'a rien. Tac. Hop là. Hop. Alors, on va venir là, et puis on a préparé des trottoirs. Donc là, on a tout ça à dégager jusqu'au bout. Là, ici, il y a une espèce de petit parking, mais bon, il n'est pas fait parce qu'il faut faire toutes les entrées pour les maisons. Là, il y a cette maison qui est encore en construction. Et les deux autres sont finies. Voilà, donc voilà pour le petit chantier qu'on va s'amuser à faire. Donc aujourd'hui, on va surtout préparer, faire peut-être deux, trois trucs. Et puis. Dans le prochain épisode, on essaiera de faire un truc un peu mieux. Oula, j'ai des petits coups de lag, je sais pas toi. Ouais, ça, j'ai toujours pareil, mais... Ouais, mais je sais pas si c'est pas que j'ai mis trop de définition dans sur mon PC. Je crois bien. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le Renault. Voilà. Putain, je me suis fait niquer dans le son du Renault quand il démarre, on dirait une tronçonneuse. T'as pas fait gaffe? sais, j'ai attendu tantôt, ouais. Putain, elle est tombée. Je viens de le voir maintenant. Le démarreur, c'est un démarreur à tirette, un truc de fou. Je sais pas ce que c'est ce son. Oh, je le chante. Putain, puis alors la sortie du truc, laisse tomber. Ouais. Super tordu. Allez. Rentrer quand même, je vais pas y aller. On va peut-être le trouver là-dessus. Hop là. Ouais, je vais le laisser garer là. Toc. Caméra. Hop. Alors. Ouais, t'as vu, les commandes elles sont un peu inversées aussi. Un petit peu inversé, ouais. Je voulais le faire avant de faire la vidéo, je vais plutôt acheter les abdos. J'ai juste inversé les deux lignes, j'ai dit. Bon, il y a le droit de gauche pour la tourelle qui est inversée et le bras du milieu qui est inversé aussi. T'es coincé? Bah, il veut pas tourner comme il faut. Ah oui, c'est que devant t'as de la collision qui va trop loin, faut que je le modifie aussi, fais gaffe. Ah, ok, voilà, c'est Et pour du ça. coup. Ouais, t'as eu. En fait, la collision, la longueur du véhicule, elle est devant. Tu vois, Ah tu ouais. touches. Faut que tu te mettes dans l'autre sens et tu touches pas. Je l'ai vu pareil tout à l'heure. C'est décentré. Voilà, comme ça au moins tu peux aller plus loin. T'as rien qui va te faire chier. En fait, c'est la collision entre les véhicules qui est trop en avant. Bah, limite après, je te laisse décharger les godets, puis j'irai Il n'y a chez pas de toi. souci. Bon, la pince, à la limite, ouais, il n'y en a pas besoin. Et bah, je vais ramener le camion, je vais chercher le bulldozer. Et puis, bah, je te laisse charger un petit peu le camion, comme ça, tant que je fasse l'aller-retour, tu vas avoir largement le temps. Comme ça, bon, alors, putain, il y a de la place nulle part pour tourner. Si, là, il n'y a pas de champ, c'est bon. La pince, on la prendra plus tard pour décharger les buses. Voilà, comme ça, on va s'embourber. Ha
Bon, du coup, on va pas avoir besoin de tout le matos, hein, si on est que deux. Ouais, non, ça va. Ça va aller. Putain, je prends tout à gauche, en fait, je suis con. Je réfléchissais à autre chose, j'ai pris le rond-point en pleine gauche. ça doit être là. Je ne bouge pas. Ouais, ça. Ah ouais, il y a un truc dans le carrefour qui fait bugger. Parce que c'est une lag. Alors, là on a un petit magasin de bricolage, de matériel. Donc on a notre camion qui nous attend avec plein de. Je vais vous montrer à la limite tant qu'on est là. Avec plein de canalisations en béton dedans. Hop. Donc ça on peut les prendre avec la petite excavatrice sur roue là. Avec la Volvo. Et les décharger. C'est ce qu'on fera aussi. J'ai mis la pince là pour les prendre. On peut les prendre à la chaîne aussi. Tiens, j'ai pas acheté la chaîne. Ah ouais, je l'ai pas vu, non. Si, tu l'as dans les modes, non? Tu l'as pas pris? Ouais, il fallait être dehors, mais je l'ai pas. Ouais, on l'a pas pris. Bon, c'est pas grave. Bah, de toute façon, quand tu prends les bus avec la chaîne, comme ils sont dans le camion et que c'est serré, si t'as le malheur de cliquer sur atteler, ça en met 6. Ah ouais. C'est vrai, ça fait un méli-mélo, laisse tomber. C'est pour ça que j'ai pris la pince. Je me suis fait niquer tout à l'heure, j'ai dit putain. Je vais prendre le bulldozer. J'aime pas essayer de voir s'il monte au-dessus. J'espère qu'il monte. Si, c'est bon. Quand même. Putain, on a perdu la main, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Sérieux, ça fait Exactement. un mois que j'ai rien fait, je crois. Ouais, à force de s'amuser à faire des camions, à faire des conneries, voilà. Hop, allez, on met les gyros et on arrive. Ce qu'on lui, c'est bon, ça suit. Ça fait partie. T'as vu mon petit camion Renault que je me suis fait avec Ouais, la je grue? vois, Trop je vois. fort. Ouais, ça fait pas mal, franchement. Ouais, il y a que le plateau que je sais pas si je laisse comme ça avec des ridelles ou sans. J'hésite à lui virer les ridelles. Mais bon, après, ça va tout se balancer de partout, ça va être chiant. Bah, c'est ça le problème. Ouais, bon, il est pas. Ouais, ça va. Il est pas mal. Et puis personne n'a fait avec le bras à l'arrière, ils font tout ça derrière la cabine, le bras. Ouais. Mais moi, de chez moi, les camions, ils n'ont pas le bras derrière la cabine. Hein. Bah ouais. Ils l'ont tous au cul parce que quand tu recules, c'est plus pratique, hein. Tu vas plus loin. Bon, faudrait juste que je lui rajoute un essieu. Maintenant, ils sont tous en trois essieux derrière. Ouais. Comme ça, ils mettent deux palettes de plus. Putain, j'ai loupé. J'ai pris le poteau du bus avec le. Bulldozer. J'ai oublié que la lame elle dépassait sur le côté. Quel con. Oh, c'est minuit et demi, c'est l'heure d'aller se coucher. Hein. Mais quelle connerie. Sérieux, comme un chien. On est démotivé. Toujours motivé.